Moi, mon truc. Oui, bien sûr, ils ont gardé l'ADN du jeu en y rajoutant des composants de prise à gauche et à droite. Le tout est cohérent au final. Le tout est cohérent au final et l'Egypte semble être su un super terrain de jeu. Ouais, non, honnêtement, oui. Hein. C'est vraiment un très très bon Assassin's Creed, la question se pose pas, quoi. Après, bon, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Mais c'est cool. Ah, bravo! Bravo, mec! Il y a des cas qui ont des bonnes idées sur les photos. Hein. Donc là, en fait, vous pouvez voir les photos des gens. Moi, par exemple, là, je peux prendre une photo, pour ceux qui connaissent pas. Enfin, j'imagine que vous connaissez, voilà. Prendre des belles photos. Vous pouvez modifier les images, etc. Bref, voilà, tac. Et là, il y a un gars qui a pris une paire d'Anibar, qui a de grande classe. Heureusement que j'ai précisé que ce stream est réservé pour un contenu adulte. Putain, par contre, c'est long quand tu stream de prendre une capture en même temps. J'hésite à le prendre, franchement, car je sais que sur PC, l'opti n'est pas bonne. Bah, pour un jeu Ubi, là, pour le coup, elle est meilleure. L'opti n'est pas bonne. Et sur PS4, je peux pas avoir de bonnes raisons. Ah, de bonnes versions là où j'habite. D'accord, ok. C'est correct, sur PC, est-ce que j'ai. Ouais, on est d'accord, hein, Alex. Bon, il y a bugué ou quoi? Ouais, allez, plus. Donc, du coup, je vois plus les photos, mais est-ce que je vois mes photos? Et du coup, il a même pas pris ma photo en fait. Bah, ça a l'air de bugger. Hein. Tant pis. Échec du partage de photos. Voilà, un problème est survenu lors de la tentative de communication avec le serveur de réseau ultérieurement. Bah, tant pis. Bon, bref. Vous avez saisi l'idée quoi. Alors, je dois aller où? J'en suis où? Qui suis-je? Où vais-je? J'ai récupéré plein de stuff, donc on va trier un peu ça là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça qui est meilleur. Ça, c'est une épée, je m'en branle. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. C'est meilleur même. Est-ce que je peux l'upgrader ça? Oui, je dois pouvoir l'upgrader. Donc toi, casse-toi. Ça, non. Ça, je m'en fous. Ça, je peux pas le détruire parce que c'est des cadeaux, lui. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Arc léger, 48-58. Toi, tu te barres. T'es bien qualité, mais je dois pouvoir encore upgrader celui-là. Tout cela, vous pouvez vous barrer. Hop. 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 Celui-là, du coup, tu peux te barrer aussi. Ah, je peux pas, putain, c'est un cadeau aussi. Ok, très bien. Mes boucliers. Alexandre, c'est correct sur PC que j'ai vu. Oui, je suis d'accord. J'avais vu que c'était pas folichon. Le jeu bouffe 1000% des ressources, CPU et patch récent et encore pire. Oui, alors ça, d'accord. Si tu veux streamer avec, c'est problématique, mais sinon, non, quoi. Moi j'aime beaucoup mon bouclier là donc j'ai pas du tout envie d'en changer. Je dois pouvoir le grader aussi donc non. Cassez-vous, toi t'es moche, casse-toi. Toi t'es moche. Après ça dépend si tu veux faire des vidéos ou autre chose avec sur ton PC. Hein. Je veux dire, si c'est juste pour jouer, dans ce cas-là c'est pas un problème quoi. Enfin à mon sens quoi. Effectivement pour le coup, pour les spécialistes c'est effectivement mal optimisé si tu veux observer d'autres choses sur ton PC en même temps, on est d'accord. Mais bon, moi par exemple j'ai l'habitude de. Quand j'achète un PC, généralement c'est pour jouer ou pour streamer, quoi. Enfin, pour jouer et streamer en même temps. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je l'ai entièrement rempli au début de chaque affrontement. C'est bien ça? Moi je veux bien ça. Je prends ça. Et alors en inventaire, j'ai quoi? J'ai des trucs à revendre. Ok, parfait. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Parce que j'ai putain, elle déconne, elle ne donne plus rien. Il n'y a plus d'indication sur ma carte, les mecs. On dirait que ça déconne. Je sais même pas si je peux l'avoir sur Steam. Bah si, si tu peux. Normalement tu peux l'avoir sur Steam. Bon, on va revenir sur les quêtes si le jeu déconne alors. Alors. 1400. Ok, voilà. Bah. Putain, j'ai plus rien sur ma carte quoi. Comment ça fait? Ah mais non, je suis con putain, je suis mongol, je suis sur les photos ce moment-là. Quel idiot! Alors, je voulais voir s'il n'y avait pas un ferronnier là. Forgeron, pardon. Pas tous les jeux sont sur Steam. Oui, ça d'accord, mais. Ah, t'es au Japon, d'accord, ok, excuse-moi. Mais tu peux pas te connecter à un compte euro ou sur les serveurs euro, j'imagine? Ça doit être faisable, même du Japon, non? Et les versions PS4 sont en Jap, oui, d'accord, ok, je comprends. Mais tu parles pas de Jap? Je demande à tout hasard parce que t'es au Japon, donc on sait jamais. Il est où mon mec là? Ah, il est là.
Non, c'est par IP. Ah d'accord, ok. Désolé alors. Ou un VPN. Ouais. Ah bah tu parles Jap, bon bah c'est bon alors, tu peux le prendre en Jap. Où est le souci? Il est peut-être pas sorti en marque. On sait rien. Des trucs à vendre intéressants ou pas? Ah, j'ai quelques trucs. Mais entre parler et faire un jeu en japonais, il y a une différence. Ouais, je sais Alex, parce que moi j'ai acheté des jeux de Jap à une époque et donc je faisais japonais à la fac, donc crois-moi, je sais. Mais cela dit, tu prends pas toute l'ampleur du jeu, je suis d'accord avec toi, mais tu peux quand même comprendre quoi faire et y jouer, quoi. Après, effectivement, tu rates une partie du scénar sur un jeu comme celui-là où c'est beaucoup scénarisé, même plus qu'avant. Tu peux comprendre, ça te pose problème. Mais sinon, tu peux faire le jeu, c'est pas impossible, je pense. Avec des bases de japonais, tu peux. Alors, améliorer. Moi, je vais améliorer ça, mais c'est 4000, donc no way. Mon bouclier, je peux faire quelque chose ou pas? Oui. Voilà, j'ai fait Xenoblade en Jap quand même. Ah oui, d'accord. Bon, bah, donc, tu sais alors. Je ne t'apprends rien en te disant, je viens de te dire, toutes mes confuses. 4000, c'est beaucoup. Ça, moi, j'aime beaucoup, donc j'aime bien ça aussi. Hop. Salut aux gens qui viennent d'arriver. Merci, c'est gentil. Et si ça vous branche, je fais des streams sur Xbox One X. En ce moment, j'ai des problèmes, j'ai pas de PC pour streamer. Donc, du coup, je stream des consoles directement. Donc, sur PS4, je stream ici, sur Twitch. Mais sur Xbox One X, je peux streamer que à partir de Mixer, qui est la plateforme de streaming de Microsoft. Donc, si ça vous branche de me voir, je vous mets l'adresse. Vous créez un compte là-bas, vous pouvez vous abonner et vous serez alerté en fait quand je me connecterai. Avec la Xbox One X, donc. Parce que bon. Je voulais faire le jeu sur Xbox One X, mais les gens qui me suivent, ils sont plutôt ici sur Twitch. Donc du coup, j'essaie de sensibiliser les gens à Mixer le temps que j'ai un nouveau PC et que je puisse streamer où je veux, quoi. Et pour l'instant, je peux pas. Sauf sur PS4, évidemment. Xbox One X, il n'y en a pas chez moi. Oui, ouais, au Japon, c'est pas la fête, je sais. Bon bref, j'ai fait ce que je voulais. Bing bing, équipement, normalement, il m'a juste boosté ce que j'avais demandé. Donc on est bon, voilà. Du coup ça reste quand même plus ouf. Ok, bon bah toi je peux pas l'équiper ça. Oh putain, ça m'intéresse pas alors. Ok, on s'en ouf. Et toi ça va être le même. Donc c'est bon, voilà. Et lui du coup, on est plus au niveau. Tout ça est logique, ça me convient. On va changer un peu de tenue. Hop. Histoire de... Voilà. C'est le bon vieux Altair. Est-ce qu'il y a des trucs à faire ici que j'aurais loupé? Typiquement, il y a ça là. Un trésor à aller choper là-bas. Donc, on va aller voir. En même temps, sans source 4K, et si tu as un PC gamer, elle est dispensable. Oui, je suis tout à fait d'accord, Captain Panda. Mais cela dit, je dois reconnaître que pour l'avoir depuis assez peu de temps, il y a une sacrée différence quand même, par exemple sur Assassin's Creed, typiquement. Entre sur le rendu 4K de Assassin's Creed sur PS4 Pro et le rendu 4K. Bon, évidemment, on sait que c'est pas du vrai 4K entre guillemets sur PS4 Pro, mais bon, c'est quand même très propre. Et le 4K, enfin le rendu du jeu sur Xbox One X, putain, il y a une belle différence quand même. Hein. Honnêtement, moi j'étais prêt à arrêter de jouer sur PS4 pour y jouer sur Xbox One X. Hein, donc, c'est pour ça que je voulais streamer de là, mais je peux pas là pour l'instant, comme j'ai pas de PC sur. Oh là, il y a des serpents. Ok. Il y a des snakes. On va la faire sale pour messieurs les snakes. Hop là. Ouh. Voilà. Ah, il y avait beaucoup de snakes en fait. Ben voilà. Hop. Ouf, non. Ça va me prendre une photo comme ça. Il se fait vieux mon PC. i7 260 avec 12 Go. Oui, c'est un peu juste là. Tu vas galérer. Le PC de ma femme est meilleur. Mais elle veut pas que j'y touche. À mon avis, tu devrais prendre le PC et laisser tomber ta femme. Mais bon. Ah, salut. Non, pas lui. Pas lui. Cette IA de malade. Là, je joue sur une TV 4K en fait, une Samsung 4K, celle de ma copine, mais je ne sais pas exactement la marque. Je pourrais regarder si tu veux. Mais sur PS4, là, je suis en 1080p en fait. Je suis pas en 4K là, moi sur ma partie en fait. De toute façon, avec la PS4 Pro, je peux pas streamer en 4K, donc ça règle le problème. Le rendu est quand même propre, hein, on va pas se mentir.
trouve les gens très très exigeants. Et cette histoire de 4K là, ça devient un peu le référent. Genre si tu stream pas en 4K, c'est une catastrophe. Ouais, la plupart des streamers ils stream pas en 4K, hein, donc faut arrêter avec ça. C'est n'importe quoi. Mais c'est cool de s'y mettre, ouais. C'est clair que quand t'es peinard chez toi et que tu peux avoir ton jeu en 4K, forcément il n'y a pas photo. Elle habite au port, enfin oui, très bien, c'est cool. Est-ce que j'ai autre chose à choper ici? A priori, non, j'ai tout fait. Il y a un truc là-bas, hop, on va aller voir. Est-ce que mon cheval est dans le coin? Mon cheval est toujours dans le coin, c'est ça que je kiffe. Voilà. Ah, je m'en fous des serpents. Ouais. Alors, bah faut la connexion qui va avec pour le stream 4K. Oui, je suis d'accord, Alexandre, ça, évidemment. Ah putain, oh, d'accord, bah allons-y. Hein. Toujours quelqu'un à sauver dans le jeu, c'est terrible. Ah, Mathilde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, c'est ce qui est vachement cool que tout soit scénarisé dans le jeu en fait, mais en termes d'expression et de ressenti quand tu vois les scènes, les mecs ont une espèce de détachement et tout, ça passe pas bien, c'est pas super bien joué quoi. C'est cool que tout soit scénarisé, mais c'est super, c'est pas super bien joué. We used to come up here to watch the herons. Two of them built a nest together in that tree. We watched them bring fish for their young. Là, pour le moment, je trouve la 4K hors éteinte. En tout cas, avec mon PC, je me contente parfaitement du Full HD 60 FPS. Avec tous les filtres activés. Oui, je suis d'accord. J'ai écrit comme un débilos. Ouais, mais je comprends à peu près ce que tu veux dire. J'ai l'idée. What you say is true. I just don't think I can face it. I want to show you something. I will return soon. Hey, alors. Try not to jump. There were some herons nearby. Bon, ça a l'air d'aller toujours pour le flux, ça a l'air propre. Je suis content, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Trouver une plume de héron. Oh, c'est où? Il va falloir que j'en trouve une et que je les rapporte après. Ça va être du boulot. Hein. On va d'abord aller faire la petite quête là-bas, là, puis on verra après pour les rondes. Je peux pas tout faire. Je peux pas être partout, madame. Alors, c'était quoi le chat? Il y a marqué la 4K vraiment là, ça, je suis d'accord. En fait, ils se sont clairement calqués sur The Witcher 3, mais tu sens tout de même que le talent de narration n'est pas le même du tout. Je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait vrai. C'est très bien résumé. Il trouve pas parce que le héron, faut aller près du lac en fait. Ouais, c'est ça. Ok, bah tant pis. Je ne sacrifie pas mes éclairages, surtout avec mon 60 FPS constant, pour du 30 FPS, mais c'est très subjectif. Ouais, je comprends, bah moi j'ai vu Assassin's Creed Origins sur... Putain, je fais n'importe quoi avec mon cheval là. J'ai vu Assassin's Creed Origins sur PC, effectivement, sur une grosse bécane en 60 FPS, effectivement, ça a pas la même gueule, on est d'accord. L'animation, ça fait quand même un petit peu tout. Enfin, l'FPS, ça fait un petit peu tout. Ah. Dès que tu sors du carcan, il est un peu paumé. Là. C'est sûr, quand t'as goûté aux 60 FPS, c'est difficile de revenir en arrière, j'avoue. Moi, j'ai connu les jeux vidéo à leur tout début, donc ça me choque pas trop non plus de pas avoir... pas avoir 60 fps, mais c'est vrai qu'une fois que t'as goûté. Ah, c'est une belle baston ça! C'est une belle photo là, les gars! Une belle photo à faire là! On va essayer de la travailler un petit peu. Je sais plus comment on fait pour travailler les photos là, c'est ça. Hop. Alors, profondeur de champ. C'est la profondeur de champ qui m'intéresse là, tac. Non. Là, oui, on est d'accord. Ça, on s'en fout. Saturation. Non, c'est un peu trop. Tout comme ça, hop.
couleur de teint, ça va faire style. Plus chaud ou pas? Oh, c'est trop chaud. Oh, désolé, j'ai mon chat qui s'énerve. Vignettage, on s'en branle. Exposition, peut-être un peu moins pour rendre le truc un peu plus criant. Et on est bon. Boum! Allez, hop, une belle petite photo. Solide, le cheval, c'est un Land Rover. Ouais, tu m'étonnes. Vu que chacun son truc, certains sont aussi plaisants en 30 fps. Par exemple, j'ai fait Horizon en 30 fps, pas trop de problème. Oui, je suis d'accord avec ça aussi, Alexandre. Bon, moi, je suis assez tolérant, j'avoue, hein, mais c'est vrai que les meilleures conditions, ça reste 60. Après, sur console, quand c'est optimisé de manière ultra précise comme Uncharted 4, ce n'est pas choquant. Tu passes sur Dishonored 2, la différence est juste catastrophique en termes de fluidité. I agree with that, je suis d'accord. C'est bon. Elle est jolie, ma petite photo, non? Vous trouvez pas? Elle est trop très jolie, cette photo. Bon, si je peux me faire les deux, c'est bien. Donc, je vais aller. Casse-toi, toi. Calmé, oui, gros bestiaux. Hein. C'était un peu gâché, mais comme maintenant je l'ai à tous les combats, la rage, on va pas s'emmerder avec ça. Qu'est-ce que c'est joli quand même, le jeu en jeu. Le mode photo des jeux, pour moi, le truc le plus inutile du monde, je comprends pas le concept. Bah en fait, dans l'idée, c'est assez cool parce que c'est vraiment partager ce que tu fais, quoi. Donc je trouve ça assez cool. Moi, j'ai vu des photos assez cool, hein, sur... attends, où est-ce que je peux voir les photos des autres si les serveurs ne gueulent pas trop, hein. Où est-ce qu'on peut voir les photos des autres? Il l'a prise, ma photo, ou pas? Putain, il l'a même pas prise, ma photo, quoi. Putain, il y a un problème, hein, ça déconne. Bref, en tout cas, ça marche pas. Mais sur d'autres trucs, j'avais réussi à prendre pas mal de photos. Si, apparemment il les fait pas. Il y a un problème avec les serveurs d'Ubisoft sur les photos, je pense. Parce que les photos sont partagées en fait entre les joueurs. Mais dans l'idée je trouve ça cool. C'est un truc en plus qui te permet de faire de très belles photos. Sur PC tu fais les photos qui sont juste à tomber par terre. C'est cool quoi, ça permet de partager le truc. C'est dans l'esprit, c'est tendance, tu vois. Donc non, moi je trouve ça très sympa. Pas de problème vis-à-vis de ça. C'est une feature en plus. Pourquoi s'en priver, j'ai envie de te dire. Ah ouais, voilà. Ah. Il y a autre chose, on est bon. A priori, il y a un canon noir là-bas. Et donc, il faudra une plume de héron. En fait, il faudra que je bute un héron, c'est ça l'idée. Et toi là, le héron. Merde. On est bien, putain, je suis confondu. Ah, salut mec. Désolé. Je voulais pas te déranger. J'aime bien le concept de la chasse aussi, c'est un peu doux. Enfin, j'ai cru que c'était un héron alors qu'en fait c'était un. C'était, je sais pas, un croco ou autre chose. Ah, salut mec. Laisse-moi tranquille, laisse-moi trouver mon truc là. Après je m'occupe de toi. Casse-toi. Putain, il est juste là. Il est où? Il est là. Ok, ça c'est cool. Alors. Alors, qui m'agresse? Ok. Donc, des hérons, c'est des ces trucs là. Oh, mais c'est quoi ça là? T'arrives tellement après la guerre, mec. C'est sympa, remarquant ce concept quand même. C'est vrai que là, c'est vrai. Je me l'ai donné en plus. On. Ah non, il est passé. Bon, on va essayer d'aller choper des hérons. Ce sera bien pour la quête. Ah bah, en voilà un. Ah, là, j'ai heurté le bordel. C'est ça que je bouffe. Ok, cool. J'essaie de m'approcher plus doucement. On va essayer de faire le bourrin pour voir. Je suis d'accord avec toi, Idol. Je suis super d'accord. C'est quoi ces bestioles? Ah non, c'est juste des plantes. Donc mes plumes de héron, je fais comment? Putain, c'est pas un héron ça? Merde.
Je vais aller dans mon inventaire hein, parce que manifestement. C'est des flamants roses, voilà. Donc le héron c'est le blanc. Il va falloir que j'en trouve un maintenant. Et ça c'est chiant. Bon bah c'est bien, moi j'ai agrémenté ma culture G. Est-ce que toi t'es mort ou pas? Je peux mettre un petit coup de bain. Oh c'est gentil, je laisse faire. Bon, faut trouver un héron les mecs. Ah, il y en a un là-bas. Je crois que c'en est là-bas. Putain, il y a une chie flamme rouge. Vache. Je voulais discuter, hein. J'essaie de choper mon héron. Ça n'a pas l'air gagné mon affaire. C'est galère quand même pour les repérer leurs trucs là. Attends les flamants roses, tu les repères tout de suite, mais alors le héron, accroche-toi quoi. Je pense que ça c'est pas grave. Voilà, merci. Allez, on va chercher la demoiselle. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup les jeux Ubisoft. Je suis assez agacé par tous les gens qui crachent dessus. Pour de vieilles histoires de downgrade. Ouais, bah c'est vrai qu'ils se sont un petit peu exagérés aussi sur certains trucs. Hein. Force de montrer des jeux sur des configs PC de malade mental et tu vois le jeu à l'arrivée sur les consoles évidemment. Et un problème, c'est deux marchés quand même très différents. Je peux comprendre que les gens soient un peu vénères. Après, effectivement, ils font quand même de très bons jeux, hein, je suis d'accord. Mais c'était pas bon pour leur image, tout, hein, ces choix qu'ils ont fait de trop en montrer, quoi. Après, moi je suis d'accord, hein, globalement, ils font des bons jeux, hein, pas se mentir non plus. Hein. C'est peut-être d'autant pour, d'ailleurs pour ça que les gens sont si exigeants en fait. Ouais, bah c'est un très bon résumé Alexandre, je suis d'accord avec toi. Le marketing les mecs, hein, c'est ce qui mène le monde, hein. Faut pas arrêter de rêver. Si le stream vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Et pareil sur Mixer, si vous avez le courage, allez faire un petit compte Mixer, ça prend 2 secondes. Vous pouvez le linker directement à votre compte Xbox ou Microsoft même. Et vous pouvez vous abonner à mon flux sur Mixer. Comme ça, quand je streamerai sur Xbox One X, on pourra continuer à discuter. Et ce sera cool. Watch Dogs, c'était en 2012. On peut passer à autre chose, je pense. Il propose de nouvelles IP constamment, c'est assez rare. Oui, c'est vrai qu'ils prennent des risques, Panda, je suis d'accord. Non, non, on est tous d'accord là-dessus. Et puis d'ailleurs, en plus, ils savent prendre des bonnes décisions aussi, hein, parce que les assassins à la chaîne, c'était quand même une cash machine. Et là, ils ont quand même pris le risque d'arrêter pendant un an et de ressortir ça, donc, et de faire un très bon épisode. Donc non, moi, je dis bravo. À suivre la jeune femme. D'accord. Ouais, ouais. C'est pas grave, mademoiselle. C'est pas la première que je vois comme ça. Ah, je vais raconter ma vie. Chouette. Attention, ça sort le spoil, les enfants. Pour ceux qui connaissent pas. C'est vrai, Alex. T'es plein de sagesse, Alex. Hein. Crocodilopolis. Va donc. Oh là, t'es dans... ça c'est un truc qui me choque aussi en termes de mise en scène, t'as envie de te marrer quoi. D'un coup la meuf elle se met à courir, tu sais pas pourquoi. La voix elle continue à tourner comme si de rien n'était. 32 ans seulement. C'est déjà plus que 20 mon ami. Oui, Ubisoft sont très productifs. Bah oui, bah ils sont là pour faire de l'argent aussi. Hein. Mais si on peut le faire en faisant des bons jeux, c'est bien. À 70, je serai le vieux sage. Ouais, le vieux sage, pour moi, pour l'instant, c'est moi ici, je crois, parce que je dois être le plus vieux, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah, oh, les léopards, on s'en fout, tiens.
Ah ouais, c'est beaucoup quand même. En carton. Doa Sobek, I thought we were dead. Are you hot? No, but that was terrifying. Tu vois Alexandre, les combats sont assez chaotiques quand même, malgré le nouveau système de fight. Now she wants to live. Hey, that is good. But we should move before hyenas come for the carcasses. Could you take me to the docks? You decided where to go then? I'll find that scorpion that killed my husband. De Maripo. I've always wanted to work at the theater. This place has too many memories for me. Do not forget. Avec moi, Choupette. Ah voilà. Your father will miss you, whatever you think. Bonjour à tous. Heureux de pouvoir revoir en live Mimic. Bah écoute, Locutus, merci à toi de passer, c'est gentil. Ça fait plaisir de vous revoir aussi. Pour ceux qui sont là, c'est sympa. Et comme je le disais, désolé pour ceux qui vont encore entendre ça, mais je vais streamer de temps en temps sur Xbox One X aussi, et pour l'instant je peux le faire que à partir d'une autre plateforme que Twitch, donc je vous la donne pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à aller vous inscrire là-bas et à me follow là-bas. Quand je ferai des streams Xbox One X, ce sera par là que ça se passe. Puisque pour l'instant, comme je le disais, j'ai pas de PC, donc je suis obligé de faire ça directement des consoles. Tu descends, Miss, là, ou pas? Comment fait pour descendre? Ah, putain. Au secours, hein, j'ai cru que ça allait me faire bugger la quête, j'ai flippé. Ça reste une bonne avancée, je trouve, les combats. Beaucoup moins Arkham style des précédents. J'ai vu que t'as écrit ça, t'as bien écrit ça. Ouais, mais le système Arkham, il est bien. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup le truc Arkham. Hein. Franchement, le vrai système Arkham, entre guillemets, il a été repris du côté de chez l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre, et toi franchement ça c'était bien réussi, hein. Moi je trouve ça vachement cool, hein. Je te trouve un peu dur avec ce système pour le coup. Bon, la meuf c'est fait, à la base j'étais pas venu pour ça. Il y a un truc encore à faire là. Moi j'aime bien un peu épurer les régions, hein. Désolé. Mais bon, comme le truc de terrain de jeu étant super vaste. Quand t'es dans une zone, vaut mieux tout faire parce que sinon c'est bon quoi. Après j'ai du mal à y revenir, je pense. Allez, c'est parti. Espérons que le prochain Spider-Man soit à la hauteur de Batman Arkham. Ouais, alors là, mon pote, je peux te l'annoncer tout de suite, idole, ce sera pas le cas, en fait. Je trouve ce jeu overhypé, le nouveau Spider-Man, là. Tout le monde dit, waouh, ouais, c'est génial et tout, machin. Moi, rien qu'il y a des trucs que j'ai vus dans la manière dont il bouge, les séquences qui sont montrées, etc. Moi, je dis, méfiez-vous sur ce jeu, méfiez-vous, quoi. Ça, à mon avis, ce serait une mauvaise surprise. Ça risque d'être super scénarisé, pas forcément super en monde ouvert, avec des combos quasiment en QTE, donc vous emballez pas, hein. Vous emballez pas. J'aimerais bien qu'il soit cool, hein, attention. Hein. Mais moi, depuis le Spider-Man 2 le Spider-Man 2 GameCube, qui était sorti il y a bien longtemps, qui est arrivé après sur PS2 et sur PS2, je crois seulement. Très franchement, j'ai rien trouvé de mieux sur les Spider-Man. Quoi. Oui, il est même très bon, mais on en fait une généralité maintenant. Quelques petits changements par-ci par-là, mais pas de gros bouleversements. Ouais, certes, je suis d'accord. Le système de fight, il est cool quand même, non? Enfin, je sais pas. Le but, c'est pas forcément d'être un gros badass, c'est d'avoir l'impression de, tu vois. Si tu veux jouer avec des jeux super skillés, c'est pas sur ce genre de jeu qu'il faut jouer, quoi. Donc le but, là, c'est d'avoir un certain plaisir quand tu joues, quoi. Et un plaisir de préférence assez rapide parce que les gens d'aujourd'hui, faut pas qu'ils aient trop à se casser la tête. Hein. Sinon les jeux marchent pas. Quoi. Mais il y a des jeux à skill, hein, mais ni Batman, ni Assassin's Creed, ni l'ombre du Mordor, c'est le cas. Quoi. Vous ne laissez pas avoir par le marketing. Ouais, bah il en faut en tout cas quand même. Sinon il y a des jeux qui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui quoi? Quoi?
c'est bon, si c'est pour fighter, allons-y, fightons. Alors, what's next? Y'en avait pas d'autre là? Y'en a l'autre là. Ok, donc les autres ils vont pas venir, ils vont essayer de me shooter, donc on va essayer de faire au plus vite, choper les trucs. Ça c'est fait. De l'autre côté. Oh putain merde, j'avais pas vu. Oh putain, mais c'est vrai que j'ai pas de vie avec cette arme. Putain, faut que je change d'arme en fait. Faut que j'arrête de parier sur cette arme. Avec les armes maudites là, t'as pas de vie, c'est relou. Oui, on va te follow sur Mixer. Bah c'est gentil, Idol, ça fait plaisir. Ah, qu'est-ce qu'il dit de. J'ai pas le temps de tout voir. Hello, juste un petit coucou. J'ai pas envie de me spoil. À bientôt. Ciao Alex, merci d'être passé, c'est gentil. Et abonne-toi sur Mixer hein, si t'as le temps. Là. C'est là que je stream à partir de Xbox One X. J'ai déjà dit 20 fois, je sais, mais bon. Merci Captain Panda, c'est joli. C'est gentil, gentil. Oui, on va te follow sur Mixer. Merci Idol, c'est cool. J'imagine que tu le savais, mais t'as vu que tu pouvais mettre ta barbe et les cheveux du perso. Non, Playmo, j'avais pas vu. Explique-moi comment on peut faire ça. Je savais pas. Ça doit se faire dans l'équipement. J'imagine, non. Basculer la capuche, ok. Et après. J'avais pas vu, je veux savoir, dis-moi. J'ai vu qu'on peut enlever la capuche, mais c'est tout quoi. Go équipement, ok, ok, j'y vais. Il y a un décalage de quelques secondes entre ce que tu vois. L2 plus triangle, trop cool. L2 plus triangle. Ok. Je fais tout en même temps ou... Ah ouais! Bien vu! Trop cool! Ah, c'est excellent! Ah bah merci, écoute. Ça, c'est pour ça que j'aime bien faire des streams aussi. Trop cool! Encore un compte à se créer. Ouais, désolé Alex pour les comptes, mais bon, je dis, quand j'aurai mon PC, je reviendrai... Enfin, je sais pas, ça dépend si la plateforme Mixer me plaît. C'est peut-être un peu plus mature, peut-être que Twitch, je vais voir. Mais bon, pour l'instant, voilà, comme j'ai pas de PC, j'ai pas trop le choix. Quoi. Ah, trop merci, Playmo, c'est cool ça! Donc L2 triangle et R2 triangle. Donc j'imagine pour revenir en arrière ça va être pareil. Ah mais attends, on peut choisir. Ah c'est trop cool en fait. Ah ouais, on peut faire des mix. Excellent, je peux le mettre avec la barbe mais avec les cheveux courts. Ah c'est génial. Ah je kiffe. Ah merci, c'est trop classe. Ah je kiffe trop. Ah il y a pur style comme ça. Merci beaucoup, c'est trop bien. Tu voulais un bel équipster. Ah ouais carrément quoi. Ah c'est trop cool. Merci, c'est sympa. Et du coup, si j'enlève la capuche, ça va donner un petit style un peu plus badass, non? Parce qu'avec la barbe, c'est toujours plus badass. Ah, oh, c'est classe! Merci, c'est trop cool. C'est très bizarre qu'il ne le marque nulle part ailleurs. Bah, il ne le marque pas, en fait. Moi, je l'ai vu nulle part. C'est surtout ça. Bref. Donc, j'avance un peu, sinon les gens vont s'ennuyer. Alors. Tac. J'ai chopé un nouvel équipement, c'est cool. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Pas du tout. Je te destroy. Bing. Et toi, là, qu'est-ce que j'ai chopé d'intéressant? J'ai ça, mais non, ça m'intéresse pas en fait. Je crois que celle-là, elle est maudite en fait. Je vais la garder un peu quand même. Non, mais j'ai celle-là qui est pas maudite du coup. Ouais, je vais plutôt faire ça en fait. Casse-toi, toi. Hop. Ça, c'est bon. Et là, ça dit quoi? Oui, c'est ce que je dis, c'est chelou. C'est pourtant cool d'avoir le choix, mais carrément, Playmo. Bon, après, bon, peut-être qu'ils l'ont, ils l'ont pas dit exprès justement pour cacher, tu vois. Et comme ça, les gens qui trouvent, ils trouvent ça trop cool. T'as vu la réaction que j'ai eu, genre, waouh, putain, trop cool! Alors que si c'était indiqué, bon bah, pff, je ferais plus gaffe depuis longtemps, quoi. Donc là, tu le trouves, c'est, ça donne un petit côté tips, tu vois, entre guillemets. Je trouve ça assez cool, j'avoue. Bref, là, c'est plus 9, donc casse-toi, on s'en fout. En tout cas, merci pour ce tips, c'est vachement sympa. Toi, non, je m'en fous. Toi, je peux pas te détruire, donc salut. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, là, je peux augmenter ma lame secrète. Eh ben, va donc. Voilà. Habileté manuelle, parfait. Joue la roleplay, à chaque fois que tu rentres dans un bâtiment, tu arrives la capuche par respect. Ouais, ce serait bien Alex, mais ça va faire chez tout le monde et moi aussi, je pense. Mais dans un futur stream roleplay, je le ferai avec plaisir. C'est pas faux, ça permet aux youtubeurs de faire des tutos. Ah, pas de soucis, bah oui, carrément. C'est excellent. Bon, du coup, j'en parlerai peut-être sur Twitter, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, quoi. Donc j'ai quelques abonnés sur le 4. Bref. Alors, quête, j'en suis où? J'en ai marre, là. Voilà. On va terminer celle-là. C'est où?
C'est à 1,6 km. C'est un peu loin de mon goût, par traverser toute la péninsule là. Mais tu vois, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, qu'il avait tout ouvert là. Moi aussi, j'ai ouvert quand même pas mal de trucs déjà. Mais il reste encore une chier qui sont pas ouverts quoi. C'est dingue tout ce qu'il y a. Franchement, la surface elle est ouf quoi. C'est toute l'Égypte quoi. C'est assez dingue. Bref, hop. C'est où? Je vois pas, putain. C'est où? Ah, c'est là, putain. Vraiment les yeux. Hop là. Bon, j'ai pas bouffé, je commence à avoir les crocs. Comme je suis en repos ces prochains jours, là, je vais streamer un peu plus. Enfin, ces prochains jours. Je suis en repos aujourd'hui, demain et lundi. Donc, du coup, il y a de fortes chances que je restream au moins demain. Pour ceux que ça branche. J'essaierai sur Mixer pour ceux qui se seront abonnés, histoire de voir comment ça rend. Mais pour être vu, c'est toujours pareil, il faut avoir déjà des gens qui sont un petit peu inscrits, comme ça t'es plus visible quoi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me faire ce cadeau, ce sera avec plaisir. Et alors pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai quelques jeux Xbox One en rab. Donc du coup je fais des concours sur mon Twitter en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller le follow si vous voulez tenter votre chance. J'ai déjà fait gagner un Gears of War 4 et toute la série des Gears of War. Et vu que la Xbox One X est sortie, c'est l'occasion d'avoir des bons jeux. Là je dois avoir, c'est un The Witcher 3 mon concours actuel. Et bientôt j'aurai un Dark Souls 3. Et j'aurai aussi tous les autres Gears of War sauf le 4. Donc si ça vous branche, n'hésitez pas. Ah oui, le stream c'est chaud, c'est surtout c'est du boulot en fait, faut être super assidu, il faut le faire régulièrement en fait. Moi c'est un problème que j'ai en ce moment parce que, enfin, depuis même un an ou deux, parce qu'avant je streamais comme un porc en 2014, je suivais comme un fou, c'était déjà 3, il y a déjà 3 ans. J'avais même été fait une petite communauté de gens super sympas et tout, dont certains qui sont encore là, ça fait plaisir. Mais du coup ouais, ça demande du temps quoi. Si tu veux avoir une communauté et tout, bah, il faut bien t'en occuper, il faut être là régulièrement. Moi je streamais du lundi au vendredi, 5 fois par semaine, en gros de 20h à minuit, 1h. Donc voilà. Ah c'est cool, ça apparaît aussi dans les cinématiques, le look. Tu me diras, c'est normal parce qu'ils le font aussi pour le changement de fringues. Donc voilà, c'est quand même du boulot quoi. Puis il faut streamer dans des bonnes conditions aussi quoi. Fin 2013 même. Ouais, je sais Alex, je sais, je sais. Captain Panda, tu veux pas me faire gagner un Assassin's Origins PS4? Bah non, j'en ai qu'un. Donc non. Pareil, je bosse à côté et c'est pas évident de garder un planning. Ouais, carrément plus bon. Mais enfin, si tu veux y arriver, c'est ça qu'il faut faire. Après, t'as pas besoin d'une communauté de malades non plus. Hein. T'as une communauté de 2000 mecs, 3000 mecs, c'est suffisant. Donc après, si tu veux en vivre, c'est autre chose. Mais je veux dire, si tu veux une communauté voilà, de 200, 3, enfin, 2000, 3000 personnes, c'est bien parce que t'en as peut-être au maximum 100 ou 150 qui viennent en même temps. Et franchement, pour avoir des bonnes conditions de stream, pour pouvoir discuter avec les gens comme je suis en train de le faire là, il faut qu'il n'y ait pas plus de 100 personnes, quoi. À 100, ça commence à être dur, honnêtement. De le faire correctement, quoi. Après, t'es plus dans le même truc, quoi. Ça devient quasiment un business, quoi. Oh, trouve-toi ton propre plan. Ouais, je vais chercher, Captain. Si je te trouve Assassin's Creed PS4, je penserai à toi, quoi. Je vais m'en aller au pieu, moi. Il commence à se faire tard. Ok, Alexandre, mais il est quelle heure chez toi, du coup? En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir participé, c'était cool. J'aime bien que les gens discutent avec moi, donc je trouve ça sympa, merci. C'est vrai que je t'ai suivi de manière assidue à la naissance de ma fille qui a 3 ans en septembre. Ça remonte. Bah ouais, je sais. Bah, j'aimerais bien, mais bon, après, j'ai rencontré une fille super aussi, là, donc du coup, je passe aussi beaucoup de temps avec elle et c'est normal. Donc voilà. Mais j'essaie de streamer quand je peux, voilà. Je suis d'accord avec ça, ouais. 22h17, ah ouais, quand même, ouais. Et t'es à Tokyo même? Alex? Concentre-toi sur cette quête, elle est pas mal. Ok, Playmo. Eh ben j'y vais. Du coup, j'ai même pas écouté le truc. Ah, Oncle Bayek, c'est ceux qu'on avait rencontrés au début dans le temple, là? Sakai, ok. Et c'est où par rapport à Tokyo? Parce que je connais pas moi. Sakaishi, Osakafu.